attention les poissons, le temps fort de la semaine a lieu entre vendredi soir et samedi. Au moment où Mars arrivera en cancer, vous reprendrez en main un projet lié à la famille ou à votre foyer. Il peut être question d'un prochain investissement, une opportunité de déménager risque de se présenter rapidement. Et côté cœur, vous serez à la fête native des alentours du 19 février surtout. Né entre la fin février et le 5 mars, vous n'aurez pas une marge de manœuvre suffisante pour interpeller un interlocuteur. Une entourloupe est même possible. Du 3e décan, au contraire, une opportunité va se présenter ou refaire surface. Là aussi, cultivez la patience et attendez au moins le milieu de la semaine pour agir. Pour certaines, une belle surprise est au programme, comme une rencontre palpitante, surtout si vous êtes du tout début du signe. Pour d'autres, un projet de naissance ou de mariage est dans l'air. Sauf si vous êtes de la toute fin du signe, c'est plutôt la soupe à la grimace, surtout en première partie de semaine. Et par conséquent, vous serez soumise à du stress, ce qui n'est pas recommandé vu votre très grande sensibilité. D'un autre côté, vous êtes un petit peu trop susceptible parfois, alors essayez de gérer vos émotions. Idem si vous êtes de la fin février et du début mars. Les signes top sont les cancers et les scorpions, les signes flop, les gémeaux et les vierges. Et je vous souhaite un très bel été.